Salut Internet! Bienvenue dans votre émission Le Coaching Gagnant. Le thème d'aujourd'hui s'articule autour de la rédaction d'un CV. Puisqu'en recrutement, plus particulièrement en sélection des candidats, la plupart des demandeurs d'emploi passent à côté parce que leur CV ne répond pas aux normes académiques et du coup sont éliminés du processus de recrutement. On va essayer de remédier à cela en vous proposant des techniques de rédaction d'un CV. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a trois types de CV. Le CV thématique, ce type de CV est peu répandu, car difficile à faire. Mais il présente dans certains cas de nombreux avantages. Il est aussi indiqué si vous souhaitez minimiser une erreur de parcours ou un trou de votre expérience, car il permet de mettre l'accent sur telle ou telle de vos compétences. Le CV chronologique, ce type de CV se fait rare et est clairement passé de mode en tant que tel. En revanche, il peut être utilisé en annexe dans certains cas. Par exemple, pour les prestataires et les consultants qui verront dans ce type de présentation un bon moyen de mettre en avant l'ensemble des missions qu'ils ont effectuées au cours de leur carrière ou dans le cadre de leur dernier contrat de travail qui comprend le plus souvent plus d'une mission. Le CV anti-chronologique, c'est le CV à la mode. Il consiste à présenter de manière systématique votre dernière expérience professionnelle ou votre dernière formation. Ce type de CV permet de mettre en avant les compétences acquises le plus récemment, qui sont la plupart du temps votre expérience les plus significatives. Nous allons entrer dans le vif du sujet sur la manière de rédiger un CV. Pour les objectifs du CV, il faut garder à l'esprit qu'un CV, ce n'est qu'un passeport pour le premier entretien. Plus on a dit dans le CV, moins on a de choses à dire en entretien. Donc, il faut trouver la bonne formule, structurer correctement son document, trouver l'équilibre entre les informations nécessaires et inutiles. En premier lieu, les filiations. Chez nous, on a l'habitude de mettre état civil, prénom, nom, adresse, etc. Alors que ce n'est pas nécessaire. Mieux vaut mettre directement votre prénom, votre nom, votre âge, votre adresse, votre email et votre numéro de téléphone. En deuxième lieu, le titre. Le corps du CV commence toujours par un titre, la dénomination du poste à pouvoir. Un CV sans titre, c'est du temps de perdu pour un recruteur. Sans titre, le candidat se donne moins de chances de réussir dans sa recherche d'emploi. Le titre doit être précis, très court et de ce fait, on pourra savoir où on va. Par exemple, assistant ressources humaines, directeur ressources humaines. En troisième lieu, il faut trier les expériences. Quand un candidat commence à accumuler de l'expérience, il doit oser faire disparaître ses premiers contacts avec le monde professionnel. Il doit enlever les informations parasites au CV. L'idée d'un CV, c'est de déclencher l'entretien. En ce moment-là, il pourra préciser son expérience précédente. En quatrième lieu, il faut aérer le CV. Un CV trop dense peut apparaître comme indigeste pour un recruteur. Le problème vient souvent de la volonté de condenser trop d'informations sur une seule page. En cinquième lieu, il faut éviter les formules lourdes. La rédaction d'un CV doit faire preuve de simplicité dans l'écriture. Il faut toujours éviter les expressions sujet-verbe-complément qui alourdissent le CV. Aussi, dans certains CV, on remarque le mot « obtention » avant chaque diplôme. Cela alourdit la lecture du CV. En sixième lieu, il faut rester cohérent dans sa présentation. Pour faciliter la lecture de son CV, le candidat doit éviter d'utiliser différents types de police de caractère, ce qui brouille la lecture. En septième lieu, il faut dater les expériences. Les recruteurs ont absolument besoin de repères chronologiques pour comprendre le parcours et l'évolution professionnelle d'un candidat. Et lorsqu'aucune date n'apparaît, il est difficile de se faire un avis. Aussi, il faut éviter l'usage des tableaux dans un CV. Et enfin, fournir des éléments chiffrés. Il importe de fournir si possible au recruteur des informations chiffrées de ses expériences. Par exemple, dans le secteur financier et comptable, le candidat doit présenter effectivement de nombreuses informations chiffrées. Budget, effectif de l'entreprise où il a eu à faire un stage ou à travailler, etc. En somme, voici la manière de rédiger un CV anti-chronologique. Merci de laisser vos commentaires. Je vous donne rendez-vous très prochainement
pour la rédaction d'une lettre de motivation qui, comme pour le CV, a ses normes académiques. Merci et à bientôt pour un nouveau numéro.